Navigatrice et navigateur du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. En informatique, un enregistreur de frappe, keylogger en anglais, est un logiciel et ou un périphérique qui espionne électroniquement l'utilisateur d'un PC. Le but est varié et peut se présenter sous des airs de légitimité, mais il ne peut être assuré qu'en espionnant l'intimité informatique de l'utilisateur. Le terme keylogger est parfois utilisé par défaut pour parler de l'espionnage des périphériques d'entrée et sortie, bien que ces espions puissent être nommés spécifiquement en fonction des périphériques visés, comme les mouse loggers pour la souris. Le mode opératoire d'un enregistreur de frappe matériel est de s'introduire entre la frappe au clavier et l'apparition du caractère à l'écran. Cette opération peut se faire par l'insertion d'un dispositif dans le clavier, par une observation vidéo sur le câble, par l'interception des requêtes d'entrée et de sortie, le remplacement du pilote du clavier, un filtre dans la mémoire tampon du clavier, l'interception de la fonction dans le noyau par n'importe quel moyen, remplacement des adresses dans les tableaux système, détournement du code de la fonction, l'interception de la fonction DLL dans le mode utilisateur ou une requête au clavier à l'aide de méthodes standard documentées. Les types d'enregistreurs de frappe sont logiciels ou matériels. Dans le premier cas, il s'agit d'un processus furtif inclus par exemple dans un autre processus ou pouvant porter un nom ressemblant à celui d'un processus système. Dans le cas d'enregistreur de frappe matériel, il s'agit d'un dispositif câble ou récepteur USB intercalé entre le port du clavier et le clavier lui-même, facile à trouver sur Internet. La détection et la protection est variable suivant le type d'attaque, qu'elle soit logicielle ou matérielle. Sous la forme de logiciel, ces outils d'espionnage ne sont pas répertoriés parmi les virus, vers ou chevaux de Troie, car ils n'ont pas pour objectif de modifier quoi que ce soit sur le PC, et permettent simplement l'enregistrement d'informations. En tant que simples espions, ils sont inoffensifs, leur fonction première étant l'enregistrement des événements sur le clavier. Ces enregistrements peuvent être ensuite utilisés volontairement pour l'utilisateur, dans le cas des macros ou des raccourcis clavier par exemple. Certains logiciels sont d'ailleurs entièrement basés sur l'espionnage et l'enregistrement des actions de la souris pour en rendre compte à l'utilisateur de manière ludique. Le danger est présent quand les informations sont transmises via Internet par exemple, à un pirate qui pourrait les exploiter. Pour empêcher que les informations du keylogger ne puissent être transmises sur Internet, l'utilisation d'un pare-feu est conseillée. Mais les logiciels de protection ne sont par nature pas efficaces dans le cas d'un espionnage matériel. Dans le cas de l'espionnage matériel, le contournement se fait en vérifiant le matériel et les ports ou simplement en utilisant des logiciels de remplacement, comme un clavier virtuel. Mais les solutions logicielles de type clavier virtuel simulent souvent des frappes au clavier et sont donc de ce fait plutôt inefficaces contre un espionnage logiciel. Alors, que faire? Installez KeyScrambler pour crypter vos frappes. Plus exactement, il va remplacer les caractères de frappe par une autre, tels que lettres, caractères spéciaux, chiffres, rendant l'éventuelle interception des données illisible. Cliquez sur le lien indiqué dans la description pour télécharger le logiciel. Rendez-vous maintenant dans votre dossier téléchargement. Clic droit et exécutez en tant qu'administrateur. Suivez le processus d'installation. Vous devrez redémarrer votre PC après. Vous pouvez configurer le logiciel. Pour cela, cliquez ici pour afficher les icônes cachées. Clique droit sur l'icône, puis sélectionnez Options. Si ce n'est pas activé, il est préférable de cocher la case pour démarrer KeyScrambler au démarrage de Windows. Sélectionnez la position où s'affichera la barre d'accueil sur le navigateur. Le voici en action. Il est indiqué qu'il est bien en fonction. Cela fait une barrière de sécurité supplémentaire. C'est toujours mieux que rien. Vaut mieux prévenir que guérir. À vous de voir maintenant si vous êtes désireux de l'installer. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle de la nécessité à laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via la cagnotte participative PayPal indiquée dans la description ou la page d'accueil.
ainsi qu'à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrice et navigateur du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.